Un jour un livre numéro 22, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour parler d'un livre qui se trouve dans ma liste d'envie. Ça sera le cas encore jusqu'au 25 décembre inclus, puisque j'ai déjà fait le tour des livres qui parlent de Noël et qui me tentent. Et je ne vais pas vous parler de livres qui ne me tentent pas, puisque je n'en vois pas l'intérêt. Donc, on va faire ça jusqu'au 25 décembre et j'espère que ça vous plaira tout de même. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de La Sœur de l'Ombre de Jess Rader, publié aux éditions City. Ici, dans cette histoire, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Josie et qui va voir son monde s'écrouler à partir du moment où son père va décéder dans un accident de voiture. Elle va être très malheureuse et en plus de ça, elle va découvrir que son père n'était pas comme elle le pensait. Il avait une autre maison, une autre famille et une autre fille qui s'appelle Valentina. Et on va se rendre compte que Josie et Valentina, en plus d'être demi-sœurs, eh ben, elles vont vivre des choses assez étranges. Il y en a une qui a l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre dans son intimité sans arrêt et à son insu. L'autre qui va être menacée constamment par des lettres, par des messages, etc. Et au final, elles vont se poser la question, est-ce que la mort de leur père était accidentelle ou est-ce qu'elle était volontaire et voulue par quelqu'un ?